وناغي لجونكس ومرقي ولا كانت الوالدة ينستمونتي. Pour moi, la vie de Vinçois, c'est tout le temps qui me reste pour devenir de plus en plus moi-même. Et aujourd'hui, je suis moi-même à côté de Ben. La vie de Vinçois, pour moi, c'est tout un défi à relever. Le sentier de la vie est parsemé de pièges. Il y a les pièges de la lumière et il y a les pièges des ténèbres. La vie de Vinçois, pour moi, aujourd'hui, elle s'appelle Sylvie Moreau. Il est à côté de moi. Nous souverains anonymes, nous assumons tous nos peines, noirs et blancs dans le même système, derrière des murs, café crème. Nous sommes capables de réflexion, capables de rêve et d'illusion, d'amour, passion, sensation. Nous souverains anonymes, de respect tous, nous sommes dignes. Le passé passe maintenant l'espoir, rien plus rien ne sera plus pareil. Je vois la vie devant moi. Je vois la vie devant moi. Elle s'appelle Sylvie Moreau. Elle est venue dans ce château. Ouais, yeah, yeah. Ouais, yeah, 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 yeah. Ouais, yeah, yeah. Ouais, yeah, 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 yeah. Bienvenue à Sylvie Moreau. Bienvenue parmi les souverains. Souverain, souverain, souverain anonyme, souverain, souverain, souverain anonyme, souverain, souverain, c'est notre patronyme. Wenewinewi, fibled nos brani, wenewinewi, fibled nos brani, wenewinewi, fibled nos brani, wenewinewi, fibled nos brani, souverain, souverain. Souverain anonyme, souverain, souverain, souverain anonyme, souverain, souverain, c'est notre patronyme. Souverain, souverain, c'est notre patronyme. Wana Abdelrahman, wana Abdelrazzaq, wana Abdelkhalaq, wana Abdelrahim. Waya Rahman, hey! Waya Rahim, waya Rahman, hey! Waya Rahim, waya Rahman. تعال تعف بينا ويا ربي ترحم بينا ويا رحمن ويا رحيم ويا رحمن ويا رحيم جيب لي الشاوي الشاوي المكاوي جيب لي صلابان هي مبلغ السلطان هي جيب لي صلابان هي مبلغ السلطان je vois la vie devant moi je vois la vie devant moi, elle s'appelle Sylvie Moreau. Bienvenue à notre château. Souverain, souverain, souverain anonyme. Souverain, souverain, c'est notre patronyme. Ouais, yeah, yeah. Ouais, yeah, 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 yeah. Ouais.
toujours la vie devant moi. Je vois 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 toujours la vie devant moi. Bonjour Sylvie. Bonjour. Pour nous, c'est toute une joie de recevoir une des plus grandes comédiennes du Québec. C'est la deuxième fois que tu nous fais l'honneur de ta présence. Si tu permets, cette fois, nous allons jouer à un jeu que tu connais très très bien. C'est le théâtre. Avant d'être femme de télé, de cinéma, tu es tout d'abord femme de théâtre. Tu as fait beaucoup d'improvisation aussi. Ce que je te suggère, c'est de te laisser aller devant les différents personnages que chaque souverain va défiler sur la scène devant toi. À chaque intervention, tu jugeras quand et comment tu pourrais incarner le personnage que chaque souverain va te proposer. Tu seras tantôt une sœur, tantôt une blonde, une mère, une tante, et tu seras même le symbole de la vie devant soi. Avant de laisser mes camarades souverains intervenir à leur tour, j'aimerais bien te poser une question. Je sais que très bientôt, tu vas jouer à Espace Libre, dans une pièce inspirée par trois pièces de Racine, si je ne me trompe pas. Oui. Ça s'appelle « L'amour fatal ». Quand projet la vie devant soi et quand programme, je me demande si l'amour n'est pas la meilleure façon pour envisager une meilleure vie devant soi. À ton avis, Sylvie, l'amour, ça serait quoi? Une chose fatale? Une chose banale? Ou une chose typiquement orientale ou halal? Ben, c'est une bonne question. Je pense que l'amour, pour moi, ça commence vraiment avec l'amour de soi. Je pense que pour arriver à aimer ou être aimé, il faut d'abord être en soi-même, puis se connaître, se comprendre et s'aimer. Puis s'aimer, ça veut dire s'accepter, ça veut dire voir qui on est et grandir avec ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut aimer, mais je pense que oui, je pense que l'amour, c'est le lien qu'on peut faire avec soi-même, entre sa tête et son cœur, et ensuite le lien qu'on peut faire entre soi et les autres. De toutes les sortes de façons. L'amour, c'est accepter beaucoup. L'amour, c'est regarder. L'amour, c'est reconnaître la présence de l'autre, des autres. Les aimer. C'est immense, oui, oui, oui. C'est celui qui est sur le chemin de l'amour n'a d'autre choix que d'aimer. Oui. Puis ça se nomme de toutes sortes de façons, dépendant justement des cultures, des horizons, des religions, de l'éducation qu'on a eue. Mais je pense que oui, c'est un fil très, très important de vie. Ouais. Comme dirait le roi Salomon, l'amour est plus fort que la mort. Mm-hmm. Son mystérieux pouvoir est illimité, si je comprends bien, mon général. C'est pas pire, je trouve. C'est pas pire, bien compris. Bon, mais salut Sylvie, t'es ici pour l'entrevue, c'est ça? Oui, c'est ça, pour vous rencontrer. Bon, mais félicitations, vous êtes au moins ponctuel déjà là en partant, c'est bon. Là. Oui, c'est important pour moi. Je vais t'expliquer un petit peu
le concept de mon magasin. Je sais pas si tu étais déjà venu ou c'est la première fois. Là. C'est la première fois. OK. Ouais. En arrière de moi, il y a des barreaux avec une porte. OK. Il y a un lit, il y a un lavabo, puis tout ça. Dans le fond, c'est pour reproduire une cellule de prison. OK. Parce que mon projet a débuté là. J'ai fait 25 mois de prévention. Ma cause a été assez spéciale, assez compliquée. Puis ça a fait que j'ai fait beaucoup de... J'ai fait, en ce moment, j'ai 2 ans et demi de détention de fait. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que pendant ma détention, j'ai appris à faire de la couture. Donc, ça a été un hobby pour moi. J'ai commencé à coudre, puis j'ai fait une casquette. Puis j'en ai fait un autre. Puis j'ai fait une autre casquette, puis j'ai fait des chandails, puis j'ai fait des trucs, puis j'ai fait... Fait que c'est comme ça que ça a parti l'idée. Mm. Puis il y a une cellule dans le fond parce que ça s'appelle... Ma marque de commerce, ça s'appelle Gelmate. OK? Moi, je vais avoir besoin de personnes pour m'aider à travailler dans le magasin parce qu'on va avoir des projets aussi qu'on va faire avec des jeunes. OK? Okay. Comme tu le sais... Comme c'était marqué dans l'annonce, il y a du travail d'intervention à faire aussi. T'sais. Fait que j'aurais quelques questions à te poser. OK. Après ça, tu vois aussi j'ai un projet de toile commune que j'aimerais se faire. Je sais pas si tu as des talents artistiques un peu. Oui, bien moi aussi, la couture, je me débrouille assez bien. Ouais. OK. Mais j'ai besoin d'encadrement, là, c'est sûr. Là. OK, bon, mais c'est bon. De toute façon, c'est vague. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Là, parfait. Est-ce que tu as déjà travaillé avec les jeunes un peu? Oui, j'ai travaillé avec les adolescents. J'ai travaillé avec des jeunes en difficulté, m'amener dans l'Outaouais. C'était tous des jeunes là, qui étaient dans les services sociaux. Là. OK. Puis, donc, pendant l'été, on les prenait en charge. Puis, ouais, fait que j'aime beaucoup les ados. Bon, mais super. Ouais. Le projet de la toile commune, je te parlais tantôt, justement, comment tu penses-tu que c'est une bonne idée? Tu sais, je t'ai vu la décoration, mais c'est mes casquettes, là, puis mes chandails, puis tout ça. Mais le mur qui est à ta gauche, dans le fond, là, j'aimerais ça qu'on fasse une toile commune. Mm-hmm. Sentirais-tu à l'aise avec ça, là, que, tu sais, de mettons, que chaque client qui rentre dans le magasin fasse un petit dessin, tu sais? Puis qu'on, tranquillement, va vite, on remplisse le mur complet de petits dessins, je sais pas, on pourrait trouver un thème ensemble, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que si on avait une idée commune pour chacun, parce que je pense que tout le monde a le goût, des fois, de s'exprimer, mais autrement que juste en parlant. Mais je trouve que l'idée est vraiment bonne. En tout cas, je te lance ça comme ça. Ouais. Tu penseras si okay. Jamais on travaille ensemble éventuellement. Oui. Est-ce que tu as d'autres talents artistiques? Est-ce que ben, je chante. Okay. Je chante pas mal. Je joue des percussions aussi. J'ai déjà eu un petit groupe de percussions. OK. Dans le dessin, la peinture, est-ce que tu te débrouilles un peu? Non, je suis pas bien bonne en art plastique. Non? C'est vraiment plutôt poche. OK. Mais des fois, je fais des collages. Ça, j'aime ça faire des collages. Tu sais, une petite sorte de photo de découpage. Tu te sens à l'aise de travailler avec le public? Oui. Ouais. Moi, oui. Okay. Je suis bien social. OK. Pourrais-tu nous donner... deux défauts, deux qualités? Que j'ai? Oui. Des qualités, c'est que je suis bien persévérante. Je lâche jamais, même devant la difficulté. Je suis vraiment quelqu'un qui... j'aime les défis, puis j'aime ça me dépasser. Je pense qu'une autre qualité que j'ai, c'est que j'ai pas peur. Je suis pas peureuse. Okay. J'ai comme une bonne confiance qui fait que même quand je suis devant l'inconnu, je me dis que... je crois en moi, puis je vais y aller, tu sais. Tu fonces. Ouais. OK. Mes défauts, c'est que des fois, je suis trop autoritaire parce que j'ai comme une grande gueule. Fait que des fois, je veux comme dire mon point, puis des fois, ça empêche les autres de parler. De toute façon, on va travailler là-dessus. Là. Ouais. Ouais, tu vas m'aider? J'aurais besoin d'aide. Puis un autre défaut, c'est que ben je suis botcheuse un peu parce que comme je suis pas bien bonne manuellement, je tourne les coins ronds, tu sais. OK, bon, mais ça, moi j'ai... Là, je sais que tu vas trouver ça plus dur, là. Ça, je m'aide pas en disant ça. Non, là, mais ça, c'est pas grave parce que j'ai beaucoup de patience. Puis, tu sais, fait que je te partagerai ça. C'est éventuellement, OK, ah, ben, c'est bon, j'aurai besoin de ça. La patience, j'en ai. C'est bon. On va faire ça comme il faut. C'est bon. OK. Ensuite de ça, j'aurais une autre question qui est importante pour moi. Parce que vu qu'on va travailler avec des jeunes, okay, j'aimerais ça savoir c'est quoi les valeurs les plus importantes pour toi qu'on pourrait
transmettre à des jeunes ados, des décrocheurs, parce que moi, qu'est-ce que je veux faire, c'est un projet que, tu sais, mettons, on va faire imprimer des chandails qu'on va vendre, puis il va y avoir une partie de cet argent-là qui va être remis dans des programmes pour les jeunes, pour le kit, mais en même temps, je veux que quand on travaille avec eux autres, qu'on leur transmette des valeurs importantes. Qu'est-ce qui serait important pour toi? Quelles valeurs seraient les plus importantes? Qu'est-ce qu'on devrait... avec quelle approche on devrait... D'après toi, on devrait faire ça. Je pense que justement, comme adulte puis comme personne plus vieille, ce qu'on peut aider à leur inculquer, c'est la confiance. Parce que moi, je trouve que quand on grandit avec de la confiance en soi, quand on se fait valoriser, quand on se fait dire que c'est correct ce qu'on fait, c'est très important pour l'estime de soi. Puis c'est ça qui fait, quand on a confiance, bien, c'est ce qui fait qu'on a le courage d'être soi-même, tu sais. L'estime de soi. L'estime de soi. Ça, c'est quelque chose qui est important de communiquer aux autres, je trouve. Puis la sincérité. Moi, je trouve que c'est une valeur très importante. Il faut être capable de dire la vérité, de dire pour vrai comment on se sent, qu'est-ce qu'on pense, d'avoir confiance en notre opinion. Puis même si les gens ne seront pas d'accord, mais d'affirmer qui on est sincèrement, c'est très important. C'est comme ça que tu donnes aux autres les bonnes clés pour te comprendre. T'sais. D'accord. Fait que la sincérité, puis la confiance en soi. De soi. Ouais. C'est des belles valeurs. Hein? Ouais. Dans un monde idéal, pour toi, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça serait un monde idéal? Je pense que ce serait un monde d'écoute. Je pense que c'est un monde où chaque personne accepterait l'égalité puis l'écoute. C'est-à-dire moi, j'ai été élevée comme ça. Mon père m'a tout le temps dit, n'importe qui dans le monde, dans la vie que tu vas rencontrer dans ta vie, il est égal à toi. Il n'est pas meilleur que toi, puis il n'est pas moins bon que toi. Il est comme toi. Il faut que tu t'adresses à lui les yeux dans les yeux, tu sais, d'égal à égal. Il n'y a personne au-dessus, il n'y a personne en dessous. On est tous égaux. Puis moi, ça a été une valeur très importante pour moi, puis je trouve que le monde irait bien mieux si tout le monde pensait ça, si tout le monde avait ce respect-là de base les uns pour les autres. En tout cas, moi, on va dire ma première impression, je pense que... Ça clique, là. Ouais, je suis une bonne candidate. Ouais. Je pense qu'on pourrait travailler ensemble. En tout cas, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir, Pascal. Je garde ta candidature. Ouais. Puis... J'ai pas de carte sous moi, là, mais... Je rencontre une femme, je découvre une fleur, je dévoile une dame qui ouvre grand son cœur. Ma rencontre est fatale, j'en ai des tremblements. La douceur d'une pétale venue du firmament. C'est une jolie rose dans tout ce béton. Un oiseau qui se pose à l'aube de l'horizon. Elle est venue me voir pour m'aider à comprendre tout ce qu'il faut savoir pour enfin redescendre. Elle est venue nous voir pour aider à comprendre tout ce qu'il faut avoir, tout ce qu'on doit reprendre. Sylvie. Bonjour. Moi, je m'appelle Youssef. Tu sais, tantôt, on parlait de l'Halloween. Là. Tu me dis que tu passes pas l'Halloween. Mais moi, quand j'étais petit, j'aimais ça, l'Halloween. Mais tout le monde, il faisait toujours des blagues avec mon nom. Tu sais, Youssef, UNICEF. Tu sais, fait que okay. Moi, je profite pour passer à la télé. Je voudrais dire... Il faut arrêter de faire ces jokes-là. Ouais, c'est ça. J'ai failli faire une dépression. Non, je rigole pour de vrai. C'est juste pour faire une parenthèse. Je passe à la télé. J'en profite pour s'il y a du monde qui me voit. Ben, c'est ça. Fait que, toi, je vais te demander de jouer le rôle de ma femme pour quelques minutes. Là. Mm-hmm. Tu aurais pu te demander pour toute la vie. Là. J'ai le droit à 4 femmes, mais ça, il faudrait que ma femme accepte avant, puis je pense pas. Je pense qu'aussi, une femme, c'est bien en masse. Là. Mais une deuxième sans qu'elle sache, tu sais. C'est vrai. Je veux dire oui quelques c'est minutes. C'est pas vrai, bébé, c'est pas vrai. OK, fait que c'est ça. Fait que t'acceptes? Oui. OK. Juste pour quelques minutes. Oui, pour quelques minutes. OK. Fait que, ben, c'est ça. On s'est rencontrés, ça fait quand même longtemps. Ben, pas si longtemps que ça, ça fait comme 4 ans. On s'est rencontrés justement au Maroc, à Rabat, à côté de la gare de train. Oui.
Toi, t'allais chercher je sais pas qui. C'est qui t'allais chercher là-bas? Ah, j'allais chercher Ibrahim. Ibrahim, c'est ouais. Qui ça, Ibrahim? Ouais, c'était un vieil ami, mais je l'ai jamais revu après. Ah, ok. T'inquiète pas de ça. Je m'inquiète pas. Ok, c'est sûr. Non, non, mais je suis pas trop jaloux, mais tu sais, des fois, tu sais, je me demande ça dans ma tête, là. Non, il n'y a plus rien qui existait après non, que je t'ai rencontré, ok, là, ok, ok. C'est bon, c'est bon. Non, non, pour revenir aux choses sérieuses, fait que c'est ça. Avec moi aussi, j'étais allé chercher quelqu'un là-bas. Moi, j'étais allé chercher quelqu'un que j'attendais et il est arrivé en retard. Puis, ben, vu qu'il est arrivé en retard, ben, je t'ai rencontré toi, tu sais. Mm. Fait que, tu sais, après ça, la vie, ben, là, on se retrouve que c'est maintenant, tu sais. Fait que là, tu sais, quand t'as, des fois, t'as des problèmes ou, tu sais, moi, je suis pas là ou tout ça, tu sais, il faut se rappeler de ces temps-là, tu sais, quand même, on s'est rencontrés, tu sais, on aurait pu faire comme Ibrahim, là, tu revois pas, mais, tu sais, on s'est revus, on s'est mariés. Puis là, on a eu un enfant. Fait que c'est ça. Et toi, est-ce que tu veux me revoir? Ben, te revoir, ben, c'est sûr. Hein? J'attends de sortir pour te revoir, ouais. Pour être avec toi, tout mm-hmm. ça. T'sais. Mais tu sais, des fois, t'sais, c'est dur aussi de... Je comprends que c'est dur pour une femme quand son mari est en prison. Oui, t'sais, c'est que tu es tout seul avec l'enfant. Tu es tout seul aussi avec ma soeur, avec ma petite soeur. T'sais. Fait que je sais que c'est pas facile. T'sais. Mm-hmm. Mais tu sais, je sais pas comment dire. Je serai là bientôt, tu sais. Puis... Je sais pas, comment tu vas, toi? Tu vas bien? Ben, moi, je vais bien. J'ai peur pour l'avenir, c'est ouais. sûr. J'ai peur un peu quand on va se revoir. Je voudrais être sûre que tout est resté là, qu'on va continuer à construire ensemble. Ouais. Mais c'est sûr que j'ai peur parce que je sais pas c'est quoi l'avenir. J'espère que tu vas pouvoir me rassurer là-dessus. Ah, ou... l'avenir? Ensemble. Ah ouais, ben l'avenir, c'est sûr. Ben l'avenir, ça sera différent, c'est sûr, tu sais... J'avais pris des mauvais chemins, de mauvaises routes, tu sais, mais faut que je m'occupe de ma famille, tu sais. Maintenant, je suis un père de famille. Fait que c'est sûr que, ben, je planifie d'être là toujours, tu sais, pour vous, là, puis m'occuper de vous. Hein. Ben oui, parce que si on partage tout ça ensemble, ça va être mieux, c'est sûr. C'est ça, va être, hein. Moins lourd pour chacun. Hein. Puis c'est pas juste lourd, c'est le fun aussi de partager ça, puis de partager la responsabilité. Ouais. C'est sûr que j'ai... T'as-tu encore peur, là? Ben, plus je vais te parler, moins je vais avoir peur. Ouais, c'est pour hein? ça que ça va être bien quand tu vas sortir, parce qu'on... On va se parler de nos peurs, puis on va se rassurer ensemble, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pas vraiment peur, là. Non? Mais non. Mais... Comment tu imagines ça? Comment j'imagine ça? Ben, la vie, elle va reprendre son cours, puis on va revenir au temps de quand ça a commencé, puis oublier qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là, tu sais. Mm-hmm. Je sais, j'ai pas toujours été là. J'ai plus souvent été derrière les barreaux que là, fait que c'est ça, dans le fond. Mais là, maintenant, tu sais, c'est... Là, il y a toi, il y a l'enfant, il y a ma petite soeur, fait que c'est ça. C'est notre petite famille, puis ben, je veux être avec vous, puis passer mon temps avec vous, c'est ça. C'est bon. C'est bon? Ben, je vais espérer de voir. Je ouais, vais fait, on va-tu avoir d'autres enfants? Peut-être revoir. Ben là, on va commencer par reprendre ça comme il faut. Puis, mais c'est sûr que ouais. j'aimerais ça si tu as vraiment envie qu'on bâtisse une famille. Ben, on a déjà une famille, ben, une oui, plus grosse famille. Déjà... Ouais. Ouais. C'est quoi, t'aimerais mieux avoir un petit gars ou une petite fille? Là, on a un petit gars, là, tu aurais une soeur pour aller avec? Ou... Oui, peut-être, mais ça me dérange pas. Des enfants qui nous ressemblent. Ouais. Puis, qui grandissent bien, moi, c'est ça que je veux. Ouais, près de leurs parents. Hein? Oui. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, c'est l'Halloween. Fait que c'est en quoi t'as déguisé le petit pour que. Ben, j'ai décidé de le déguiser l'Halloween. En boîte d'UNICEF, comme ça, même si les gens. Comme ça, ce sera pas gênant qu'il se fasse appeler UNICEF, ouais, puis c'est ça qui va être. C'est ça, c'est ça. Ah, ben, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Fait que, ouais. Mais on va penser à toi pendant qu'on passe l'Halloween, c'est Vous sûr. Vous allez penser à moi, ouais. Ben, en plus, moi, l'année passée, je suis rentré en prison, ça fait un an aujourd'hui. C'était le dernier Halloween, fait que c'est ça. Je m'étais déguisé en prisonnier cette journée-là, mais c'est ça. J'ai pas enlevé mon costume, non, c'est ça. J'ai hâte que tu l'enlèves. Ouais, je vais venir mettre mon costume de mari puis de père de famille. C'est bon. C'est bon, frère. Je vais te remercier quand même d'être là, d'être fidèle toujours, tu sais. Puis c'est ça. Puis embrasse le petit fort. Puis, oui, c'est puis c'est ça, je vous aime. Oui, fait que, tu sais, chérie, je t'embrasse la main. Merci, Youssef. Bonjour Gary. Je m'appelle Gary.
Je voudrais que tu joues le rôle de ma mère aujourd'hui, si tu veux bien. OK. Je vais parler un peu de qu'est-ce que je voulais dire à ma mère puis que j'ai pas eu la chance d'y dire. Salut maman, comment ça va? Tu sais que je t'aime beaucoup puis je sais que tu m'aimes beaucoup, mais ça suffit pas pour qu'on ait une bonne communication. Puis tu sais, des fois il faut qu'on prenne le temps pour se dire les vraies choses puis faire le bilan de notre vie, de comment ça s'est passé. Jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. C'est quoi qui a fait que je suis rendu où que j'en suis aujourd'hui? Comme tu sais, maman, j'ai 3 enfants avec 3 femmes différentes. Une petite fille de 5 ans, un petit gars de 2 ans, puis un nouveau-né de 2 mois et demi, 3 mois. Tu sais, je suis pas là pour eux, puis je sais que tu vas me dire que c'est moi qui est irresponsable. Mais... tu sais, je sais que dans la vie, tu sais, j'ai eu beaucoup aussi d'épreuves là qui m'ont fait peut-être un peu dévier de mon chemin. Tu sais, surtout que quand j'étais jeune, à 8 ans, là, tu sais, tu m'envoyais chez mon père parce que j'étais trop tannant, tu sais, j'écoutais vraiment pas. Puis j'ai trouvé le contraste vraiment différent. Comme chez toi, c'était très cool, puis chez mon père, c'est la discipline, puis c'était très dur. Tu sais, j'assume mes torts. Je suis ici, c'est moi qui paye pour les erreurs que j'ai commises. Mais des fois, je me dis, je suis obligé de me poser la question de qu'est-ce qui est arrivé pour que je me rende là. Puis je me demande des fois si toi aussi, tu te la poses cette question-là. Je me dis des fois, peut-être, le divorce à 3 ans, ça a été une épreuve un peu quand même assez dure. Du fait que toi, t'étais cool, puis que mon père était dur. Je me suis dit, si vous étiez restés ensemble, ça aurait peut-être fait l'équilibre de mon éducation. Puis en même temps, je me dis aussi, peut-être si tu serais resté avec, ça t'aurait été plus malheureuse, puis ça m'aurait affecté. Mais aujourd'hui, je peux pas contrôler le passé. Mais je peux contrôler l'avenir. Puis mon petit gars, le dernier, j'espère vraiment être là pour... Avec ma femme, pour pas... qui vive le divorce que moi, j'ai vécu. C'est ça que je voulais dire. Puis est-ce qu'il y a quelque chose que... Comment tu voudrais que nous, on soit à partir de maintenant? Comment je pourrais t'aider à faire ça, à être ça? Ben, m'aider, tu en as déjà fait beaucoup, hein? Mm-hmm. Tu sais, t'as tout fait. Je pense que là, c'est à moi de prendre ma vie en main puis de regarder la vie devant moi. Ben, je vais t'aimer toujours, c'est sûr, comme une mère aime son fils, toujours. Des fois, on aime de loin, des fois, on aime mal, mais on aime. Puis... Je te souhaite vraiment le meilleur pour ta vie puis celle de ton fils. Merci, maman. J'apprécie vraiment, puis je sais que tu m'aimes, puis moi aussi, je t'aime. C'est bon. Salut, bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, ça va bien. Je m'appelle André. Écoute, j'étais un petit peu méfiant de venir parce que je suis une personne un petit peu plus réservée, mais je suis pas mal content là, du fait que je suis là, que j'ai pris l'initiative. Tu sais, je suis pas une personne qui rencontre, qui développe des amitiés ou des connaissances à travers d'une système d'ordinateur, tu sais. Comme... Ouais. Mais, fait que mon ami, ce qu'il faisait, en effet, il regardait sur le site de l'amour devant soi, tu sais, le site de rencontre. Et fait que je regardais pendant qu'il scannait, puis il arrivait, j'ai vu ta photo pour une seconde, puis j'ai cliqué, puis il y avait une part, écrit en gros, tu avais écrit un petit quelque chose, tu avais écrit... homme superficiel, s'abstenir.
Fait que là, s'il y a une chose que, qui est importante pour moi, c'est de savoir que si je m'embarque dans quelque chose, ça va être pour les vraies affaires, tu comprends? Mais j'ai toujours cru que on devait pas chercher l'amour. On devrait pas être à la recherche active. Ma mère m'a toujours dit, écoute, là, fais ta vie, fais ce que t'as à faire, puis éventuellement, l'amour va te trouver. Inquiète pas, tu peux pas pousser les affaires. Fait que j'ai attendu, puis j'ai attendu, puis j'ai attendu. Si je continue de même, je vais arriver à 100 ans sans avoir rencontré quelqu'un. Fait que c'est une personne romantique. J'ai toujours cru que quand on rencontre quelqu'un, c'est dans un moment inattendu. On se croise, puis on est figé par une certaine électricité. Les sons, tout vient tranquille et en ralenti. Une espèce de reconnaissance, une complicité qui se développe sans parole, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ça, il va falloir que tu t'impliques pour si tu veux embarquer dans une relation, si tu veux avoir une vie comblée, mais il faut que tu fasses des efforts. Ça vient pas tout seul, tu sais. Fait que la raison pour laquelle que j'ai choisi de venir te voir aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu beaucoup de déceptions dans ma vie par rapport des femmes qui cherchaient des valeurs que moi je trouvais superficielles, tu sais, que je trouvais matérialistes, le pouvoir, ton image, ton statut, qu'est-ce que tu représentes, quelle phrase que tu peux me dire qui va faire en sorte que je vais être à toi, tu sais. Pour moi, les vraies affaires, c'est important, tu sais. Selon toi, là, s'il faudrait que je te demande, qu'est-ce que tu considères superficiel? Est-ce que tu valorises la personne et sa position ou tu cherches quelque chose de plus simple, plus profond, plus honnête, authentique? Ben oui, moi, c'est sûr que l'honnêteté, la sincérité, c'est une valeur qui est très importante pour moi parce que faut que j'ai l'impression que l'autre me donne accès à lui, puis que moi aussi, il faut que je lui donne accès à moi. Mais, puis ça, c'est vrai que c'est, des fois, c'est pas facile parce que ça veut dire s'exposer, puis ça veut dire peut-être des fois avoir de la peine parce qu'on reconnaît pas exactement l'affaire à laquelle on s'attendait, mais tout s'apprivoise, on peut l'apprivoiser, mais c'est vrai que c'est là que ça devient plus un effort puis un accompagnement. Et je pense que la sincérité, c'est quelque chose de bien important, encore une fois, de pas... Ce que je trouve superficiel, moi, c'est les gens qui pensent juste à eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose que je trouve toujours difficile à... Je vais me désintéresser rapidement si je suis devant quelqu'un qui pense juste à lui, qui est juste intéressé par lui. Les rapports de pouvoir aussi, c'est quelque chose que j'aime pas. T'sais, si l'autre veut me dominer, si l'autre veut... Ça aussi, c'est quelque chose de très difficile pour moi. J'ai besoin d'être traité... Tu l'accordes? Est-ce que tu accordes à l'autre personne le droit de ses opinions, ses ben émotions? Oui. Est-ce que t'es ouverte à une nouvelle perspective sur les choses? Est-ce que ben oui, complètement. À apprendre à travers d'une autre personne et non vouloir préserver ta vision à toi, ouais. Et de l'imposer, tu sais? C'est ça qui est important là, pour moi, là, c'est que on a grandi à travers de l'autre. Ouais. Peu importe notre opinion, peu importe nos sentiments face à quelque chose, on se respecte, oui. Entièrement et on apprend à comprendre et évoluer. Et à respecter l'autre, t'sais. Aussi. Fait que c'est ça qui est un petit peu difficile à trouver dans ce temps-ci. Parce que notre société est tellement basée sur les choses matérielles. Fait que... Mais des fois, ce qui est dur, c'est juste la confiance au départ. Parce que c'est sûr que tout le monde se met des barrières puis des barricades, puis donc on ne montre pas assez qui on est tout de suite parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas si on peut faire confiance à l'autre. Fait que des fois, c'est pour ça que les gens ont l'air superficiels, ouais. Au départ. Ouais, ouais, parce, ouais. Qu'ils ont peur aussi, comme c'est toi, sûr. Comme moi, tout le monde. Une première rencontre, c'est très épeurant. Ce qu'il faut, c'est juste... tenir assez longtemps, persévérer assez longtemps pour, ah, là, maintenant, on va enlever les c'est couches, ça. Puis là, maintenant, on va révéler pour vrai qui on est, puis là, on va avoir accès à l'autre. Mais
C'est long, puis c'est dur, puis c'est vrai qu'on n'est pas dans un monde ou une société où on a ce temps-là, c'est où ça, on veut donner le temps. On veut, après 3 jours, on veut être sûr, on veut être fixé. Je l'aime-tu? Non, je ne l'aime pas. Ou je l'aime, mais ça me dérange, alors qu'on ne connaît rien encore de l'autre. C'est ça. C'est long. Mais c'est ça qui m'encourage un petit peu de qu'est-ce que j'ai décidé de faire, parce que même si c'est un processus technique administratif, on arrive à éliminer une barrage de choses qui pourraient nous empêcher de se connaître autrement, parce qu'on se sentirait dans l'obligation de performer ou de charmer. Ou de dire ce qu'on pense que l'autre veut c'est entendre. C'est ça. Fait que j'ai jamais été capable de dévoiler tout ce que je suis, tout ce que j'ai été capable d'emmener à l'autre personne, parce que j'ai comme pas eu la chance. Fait que... Quand j'ai vu que tu as écrit, j'ai décidé de forcer la note et de ne pas attendre. Parce que le destin, on va le chercher nous-mêmes. Hein? Oui. On n'attend pas que on n'attend pas qu'il se présente en forme de cadeau. Là. C'est soi qui... On vit notre vie, on est les seuls à la vie. Fait qu'il faut s'en occuper. C'est ça. Fait que j'apprécie énormément ton honnêteté là-dedans. Mm-hmm. Puis, et surtout le fait que tu es à la recherche de les vraies affaires. Ouais. Tu aimes mieux peut-être vivre une vie moins financièrement stable, mm-hmm. mais plus heureux au niveau des émotions, mm-hmm. que de compromettre ton bonheur pour des choses qu'à la fin de la journée... te laisse avec un petit vide. Mm-hmm. Ben oui, je me dis, je peux trouver ce que je mérite, puis je me dis que toi aussi, tu peux trouver ce que tu mérites, mais pour ça, il faut savoir ce qu'on... C'est ça, il faut arriver à un certain point de vouloir. Et, fait que j'aimerais possiblement qu'on se reprenne là-dessus sur un niveau plus intime ou plus... récréatif, si ça te... Ben oui, si ça te ferait partager plaisir. Un peu nos connaissances, nos passés, nos vies. Ben oui, ça me ferait grand plaisir. Ben, moi aussi. Très content. On va prendre notre temps. Okay. On va faire attention l'un à l'autre. Merci. Ben, merci. C'est très bien présenté, hein? Salut Sylvie, ça va bien? Oui, salut. Ouais, c'est ça, moi c'est Soufiane. Je suis là aujourd'hui pour te parler de ma petite sœur. C'est ça. Fait que... Ouais, je vais te demander d'être ma petite sœur. C'est parce que je suis un peu timide là, tu comprends? Oui. C'est normal là. Oui, c'est normal. Puis en plus, je l'avoue, tu comprends? Je te voyais à la télé là, puis tout ça. Puis là maintenant, t'es devant moi, t'es assis. Tu comprends? Je vais être ta petite sœur. Non, mais c'est correct, c'est bien. Parce que toi, t'as déjà ça dans le sang, mais moi, je suis pas encore à ce niveau d'acteur. Là. Tu comprends? Je suis un bon acteur, ouais, mais pas à ce niveau-là. Ça se voit, ça se voit. C'est juste qu'est-ce que je vais te raconter, ça m'a touché. Ça fait partie de ma jeunesse, tu comprends? Moi, on est 8 gars dans ma famille, puis là, je dois te parler de ma petite sœur, puis je dois t'incarner dans le personnage aussi. Mm-hmm. Fait que je vais faire ça le plus simplement possible. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelait? Mouna. Mouna. Ouais. Alors, je vais être Mouna pour toi. Si OK. Tu veux. En 1992, tu es partie trop vite, à l'âge de 4 ans, par un terrible accident de voiture. Ça a toujours beaucoup bouleversé la famille depuis ton départ. Surtout moi, parce que tu étais la seule sœur que j'avais. Et surtout, mon père, depuis ce temps-là, a perdu le sourire. Et je pense que c'est même ça qui a fait qu'il est parti de mon pays. Et si tu étais encore de ce monde aujourd'hui, tu aurais 23 ans. Et tu aurais ton diplôme universitaire. Toute la famille serait contente. Et c'est ça. Je pense que les gens qui aiment, ils ont une place au paradis et ça pour toujours. Alors, j'ai envie de verser quelques larmes en ce moment, mais j'y arrive pas parce que c'est ça. Mais l'exprimer, le dire, c'est aussi important. Ouais, c'est bien.
Et sérieusement, je trouve que toutes les personnes qui partent jeunes, c'est sûr qu'ils ont une place là-haut et qui veillent sur leur famille. C'est toujours triste pour un père ou une mère de perdre sa fille unique. Parce que tu as beaucoup affecté ma mère quand tu es partie. Et c'est ça. Mais j'essaie de me dire peut-être que l'amour que mes quelques années de vie, l'amour que ça a créé dans chacun de vous pour moi, ça veut dire que vous l'avez en vous, puis qu'elle va grandir autrement, ou que vous allez la transformer. Mais cet amour-là est en vous, puis cet amour-là, ça veut dire que c'est moi aussi, ça veut dire que moi aussi, je suis dans chacun de vous. Ouais. Et pour ça, c'est ça. Et pour finir le tout, je sais que là, t'es pas mal en mode émotion. Là. Mais oui, mais j'ai 4 ans, je contrôle pas mes émotions. Bah, mais c'est ça, mais ça. J'aurais aimé ça que tu partes pas trop vite. J'aurais aimé ça être là au moment que c'est arrivé pour te protéger. Et même s'il aurait fallu que je donne ma place pour toi. Mais Dieu a choisi que c'était toi. Merci. Alors, je vais te protéger, moi. Ok. Ah ouais? Ok. C'est moi qui voulais te protéger aujourd'hui, c'est toi qui me protèges. Des gens qui aiment vont toujours rester dans notre cœur. C'est ça. Et là-dessus, je t'embrasse, petite sœur. Ouais. All right. Oui, bonjour, c'est Elie, c'est moi, si je dois faire ça très vite, comme Ahmed a dit que... Oh, Dieu. Si, t'en manges de batterie, là. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Sylvie, c'est toujours moi, Ben. Bonjour, Ben. Depuis des mois que je participe à ce projet Souverains Anonymes, que le destin a mis sur mon chemin, ce navire, j'ai l'impression que Mohamed a conçu ce programme pour moi, rien que pour moi. Je sais que je suis pas jeune, mais je suis jeune d'esprit. On dit que la vie est courte, mais l'ennui l'allonge. Mais je m'arrangerai avec ça à la porte de Bordeaux. Je vais signer un autre contrat, je vais renouveler un bail pour une longue vie saine. Un esprit sain dans un corps sain. Pour te dire que ce programme, pour moi, c'est comme un signe à l'horizon. Le signe à la paix. Le signe à la liberté, à la dignité. En quelque sorte, je ne peux pas m'empêcher de penser que la vie devant moi, c'est tout un personnage en soi. Je regarde et je te regarde et je te vois aussi belle et radieuse que la vie devant moi. En fait, tu es la vie devant moi. Et pour moi, à l'instant, j'aimerais bien partager avec toi la vie derrière moi. J'aimerais bien te parler de ce personnage que j'étais, qui avait tout un vécu aussi. Alors, il était une fois un homme qui s'appelle moi, qui s'est perdu dans la forêt d'autrefois. Je suis comme le voyageur, abandonné au milieu d'une route qu'il ne connaît pas. Je ne sais plus si j'avance ou je renonce. Je me suis perdu sur un chemin qui n'est pas le mien. Je suis devenu comme un nomade, un vagabond qui se déplace d'une chambre d'hôtel à l'autre, avec un cœur rempli de colère, de rage, ce qui m'a apporté que misère et destruction. Mon âme est tel un poisson hors de l'eau qui s'agite dans le doute, la crainte et la peur de la noirceur. Je voulais tellement que la nuit soit mon ami et mon allié, afin de combattre cet ennemi comme un guerrier. Durant des années, j'ai emprunté des allées et des avenues, tout en croyant connaître les ruses de la rue. Aujourd'hui, je m'éloigne de ce chemin, pavé d'épines et de pièges. Aujourd'hui, je m'éloigne de ce chemin sur lequel aucune fleur de noblesse ne fleurira. J'ai peur, en prenant ce chemin, que mon nom
soit effacée de la mémoire de mes ancêtres. J'ai peur, en prenant ce chemin, rompre le lien, encore une fois, avec Dieu, ma patrie et ma famille, pour un univers de vaines chimères. C'est ainsi que cette voix qui m'interpelle à mon image originelle et qui me rappelle qu'il fut un temps où j'étais un voyageur et que la vie est toujours devant moi. Aujourd'hui, la vie est devant moi. Je dis alhamdoulilah, Dieu merci, et que la vie continue. À cette occasion, j'ai écrit une chanson grâce à un grand artiste qui s'appelle Mohamed, même si Mohamed ne va pas vouloir, parce que pour moi, Souverains Anonymes est une œuvre d'art. Ce qu'on est en train de faire, c'est une œuvre d'art faite par les mains d'un grand artiste à qui je peux toujours rendre hommage, et je rends hommage à toi aussi, la vie devant moi. Chacun son combat, chacun son combat, chacun son combat, c'est la vie devant soi. Chacun son combat, chacun son combat, chacun son combat, c'est la vie devant soi. Je me suis enfermé dans une cage enchaînée, je suis devenu l'unique prisonnier. Je me suis enfermé dans une cage enchaînée, je suis devenu l'unique prisonnier. Je me suis endormi durant des années et j'ai glissé dans une spirale éloignée. Je me suis endormi durant des années et j'ai glissé dans une spirale éloignée. Je me suis réveillé par des bouquets étoilés qui m'ont guidé vers l'illimité. Je me suis réveillé par des bouquets étoilés qui m'ont guidé vers l'illimité. La lumière est une arme que Dieu m'a donnée, mais l'arme ne remplace pas pour autant le guerrier. La lumière est une arme que Dieu m'a donnée, mais l'arme ne remplace pas pour autant le guerrier. Un cœur brisé est un cœur blessé, un cœur emprisonné est un cœur empoisonné. Chacun son combat, Yama. Chacun son combat, c'est la vie devant soi. Chacun son combat, oui, Yama. Chacun son combat, Yama. Chacun son combat, c'est la vie devant soi. Chacun son combat, Yama. Chacun son combat, Yama. Chacun son combat, c'est la vie devant soi. Aïe, Yumu, Mayukumunine, Nayudunume, Mayukainine, Mayunayinine, Mayukumunye, Nayinayinaye, Nayukumunumu. Je les ai pas trouvés drôles toutes ces années en tôle, et j'ai prié le ciel de me rendre mon rôle. Je n'ai pas trouvé drôle toutes ces années en tôle, et j'ai prié le ciel de me rendre mon rôle. Ma prière a été exaucée comme le jour est tiré de la nuit. Et ma prière a été exaucée comme le jour est tiré de la nuit. J'ai vu le soleil briller dans ma nuit et libérer mon cœur de ses douleurs. J'ai vu le soleil briller dans ma nuit et libérer mon cœur de ses douleurs. J'avais autant de choix que les étoiles dans le ciel, et j'ai choisi le chemin de l'éternel. J'avais autant de choix que les étoiles dans le ciel, et j'ai choisi le chemin de l'éternel. Chacun son combat, Yama. Chacun son combat, Yama. Chacun son combat, c'est la vie devant soi. Chacun son combat, Yama. Chacun son combat, Yama. Chacun son combat, c'est la vie devant soi. Chacun son combat, Yama. Chacun son combat, Yama. Chacun son combat, c'est la vie devant soi. Je ne veux plus de cette galère
qui m'a éloigné de mes enfants et de ma mère. Et je ne veux plus de cette galère qui m'a éloigné de mes enfants et de ma mère. Et quand je chante cette chanson, c'est ma seule et unique évasion qui me donne des ailes. Oh, que la vie est belle, qui me donne des ailes. Oh, que la vie est belle. La vie n'est pas toujours laide. Et demain, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, c'est le retour au bled. Chacun son combat, Yamo, chacun son combat, Yamo, chacun son combat, c'est la vie. Je ne veux plus être l'esclave d'hier. Et un homme libre de demain. Toutes ces années de souffrance vont être. Toutes ces années de souffrance vont se transformer par la volonté du ciel en allégresse. Aujourd'hui, je suis devant la vie. La vie devant moi. Ça s'appelle Sylvie Moreau. Mille merci. Son combat, oui, mon chacun son combat. Chacun son combat, c'est la vie de mon soir. Aïe, mouille, mouille, maïouka mounana. Naïouka moukaye, maïouka mounana. Naïouka mounana, aïouka douyoma. Maïouka yékaye, moussa mouille. Se couche la nuit, mais celui du cœur reste à jamais. Le soleil du jour se couche la nuit, mais celui du cœur reste à jamais. Je pars en voyage dans un monde merveilleux. Je pars en voyage loin, loin dans les cieux. Je pars en voyage loin, loin dans les cieux. Je pars en voyage à la recherche de ce trésor. Je pars en voyage à la recherche de ce trésor qui est la vie, l'amour et la prospérité. Qui est la vie, l'amour et la prospérité. Je pars en voyage pour apprendre à écouter. Je pars en voyage pour apprendre à écouter. Mon cœur est déchiffré, les signes du destin. Mon cœur est déchiffré, les signes du destin. Je suis tombé en panne et j'en fais pas un drame. Je suis tombé en panne et j'en fais pas un drame. Donnez-moi un tam-tam pour adoucir mon état d'âme. Donnez-moi un tam-tam pour adoucir mon état d'âme. J'ai fait la prison, j'ai pas perdu la raison. J'ai fait la prison, j'ai pas perdu la raison. Et je chante cette chanson avec amour et compassion. Et je chante cette chanson avec amour et compassion. Et vive la vie, vive la vie. Et vive l'amour. Vive l'amour. Vaut mieux seul que mal accompagné. Et vive la vie, vive la vie. Et vive l'amour. Vive l'amour. Vaut mieux seul que mal accompagné. Et fidèle, et spirituel, yama. C'est mon oxygène jusqu'à la fin des temps. Loin de ma mère, c'est tout un calvaire. Loin des yeux, mais pas loin du cœur. Loin de ma mère, c'est tout un calvaire. L'essentiel, c'est de contempler le ciel et voir toujours que la vie devant soi. Aïe, mo, mayuku mouyame, naïe, mo, mayuku mouné, naïe, nyanyo, mayuku mounamo, hénienne. وذروح الروح ويا من ما ندروح وذروح الروح ويا من ندروح. Le soleil du jour se couche la nuit,
mais celui du cœur reste à jamais. Le soleil du jour se couche la nuit, mais celui du cœur reste à jamais. Aujourd'hui, Sylvie Moreau, tu étais notre mère, notre sœur, notre femme, et surtout la vie devant soi. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Il y a parmi nous des souverains qui sont doués pour jouer sur scène et devant la caméra. Qui sait, un jour, on ne sait jamais, on va partager une affiche. À propos, parlons d'affiche. Je sais que bientôt, je sais que tu vas faire la mise en scène de la pièce L'amour fatal. L'amour, c'est comme une flamme dévorante dans le cœur de l'humanité. Merci de partager ton amour et je te souhaite, Sylvie Moreau, l'amour et le bonheur du monde, en abondance. Et au nom de tous mes camarades souverains, je te déclare, Sylvie Moreau, souveraine, anonyme, souveraine, anonyme, souveraine, anonyme. Et avant d'oublier, là, on a une tradition qui s'impose toujours, ça là, ton diplôme en tant que souveraine et reine de la vie devant soi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. Voilà la 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 Moreau. Bienvenue à Bordeaux. Bienvenue pour la deuxième fois. Jamais de 103, mais je ne serai pas là. Bienvenue là, l'amour. Bienvenue parmi les souverains. Les souverains anonymes. Et je vois devant moi la vie devant moi. Elle s'appelle Sylvie Moreau. Château, hey 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 hey, voilà la 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 l'amour, hey, voilà la 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 l'amour. Bienvenue à Bordeaux, bienvenue parmi les souverains, bienvenue pour la deuxième fois, jamais de 103. La vie devant soi. La vie devant soi. Vamos a bailar. Vamos a bailar. En la vida de la vida, en la vida del amor, el amor es de la vida, en la vida del amor. Et la vie, et la vie devant soi. Et la vie, et la vie devant soi. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. En la vida de la vida. En
aïe, 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 aïe. Maman, 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 maman. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar.